Hello, salut Sylvie, salut Sabine, salut Sandrine. Il y a des fidèles là, il y en a qui sont motivés, qui sont là du mardi au dimanche même presque. Salut Mémé, j'espère que ça va. Bienvenue, encore une fois pour une séance de sport avec moi. Welcome, welcome Ariana. Salut Isabelle, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne après-midi, une bonne journée. Salut Anita, salut Patricia, hola. Bonjour Fouzia. J'espère être un peu en forme, hein. Parce qu'on va travailler les cuisses, le poum poum et les tablettes de chocolat. Ok? Alors on va commencer dans 3 minutes. Si vous hésitez encore à faire la séance avec moi, n'hésitez pas. Mettez les chaussées, les baskets. Salut Cathy. Salut Victoria. Bon, on va essayer de faire des belles postures hein, aujourd'hui, ce soir. On va essayer de bien travailler, comme je vous ai dit, les cuisses, le poum poum et les abdos. Salut Alexandra. Allez, dans 2 minutes. Hello à ceux qui arrivent. On va transpirer ensemble encore ce soir. Pour ceux qui n'ont pas fait la session de HIIT hier soir, elle était un peu ardue. Pour ceux qui m'ont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé avec la séance d'hier soir, je vais pas la spoiler. Hein, si vous, pour ceux qui veulent la faire, faites-la. Ce qui l'a rendu un peu plus difficile que celle d'avant, c'est le fait que c'est pas tellement les exercices, parce que les exercices c'était les mêmes, mais c'est le fait que je vous faisais passer de la position debout à la position allongée, et le fait de vous relever entre exercices, ça vous a un peu tué. Donc, mais c'est bien, c'était fait, je voulais que ça se fasse comme ça. Hein. Salut Amandine, bah, si la Belgique est là, tout va bien, nickel. Salut Jenny. Et nous souffrir, mais ok, ok, avec les gros yeux qu'on a, ok, ok, ça va le faire. Salut Marie. Allez, encore une petite minute. J'espère que vous avez préparé les serviettes, les bouteilles d'eau aussi. Hello Julie. Bienvenue. Salut Martine. Eh oui, j'ai sorti le beau t-shirt. Hein. D'ailleurs, Julie, il va arriver. Bah non, toi, il va pas arriver vu que tu veux attendre qu'on se croise pour que je te le donne. Mais pour les autres qui ont gagné, il va arriver. Là, il est parti hier. Allez, on y va. C'est parti. Mettez-vous debout, pieds sous les hanches, on place le dos, épaules basses, on bombe le torse, on serre les omoplates et la tête de gauche à droite. Penche la tête de chaque côté, même si vous êtes réveillé depuis un petit moment, normalement, on va éveiller le corps d'une autre manière, on fait un petit serre avec la tête dans un sens. Et dans l'autre sens, lentement, forcez jamais sur le cou. Très bien, on enroule les épaules vers l'arrière, une fois. Respirez bien lentement, deux fois. Et trois fois, on va travailler les poignets un peu ce soir. On va faire des postures sur les poignets, sur les avant-bras. C'est ça, très bien. Allez, on place les pieds un peu plus larges que les épaules. Dans le bras, on va chercher au-dessus de la tête.
Avec le bras, on va à l'opposé, on accentue l'étirement. On revient. De l'autre côté. Et pareil, même chose. On va se pencher, on va fléchir les genoux, pardon, le dos toujours droit. Et on va aller chercher le genou avec l'épaule opposée. Revenez droit à chaque fois. Et on ramène les jambes doucement. On reste fléchi, main sur les cuisses. Sens. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va faire un peu de sport. Hein. Les cuisses, relevez-vous, les chevilles. Donc je disais cuisses, abdos, fessiers, dans l'autre sens les chevilles. Surtout pas sur le sol, ça touche pas le sol, le pied. Encore. Ok, continuez sur place, tranquille. Décolle les pieds. Hein. Donc avec moi, on va pointe du pied sur le sol, on se balance de chaque côté. Allez, on envoie de chaque côté. On fléchit un peu sur les genoux, entre. On descend pas en posture de squat. Hein. Juste petite flexion, tranquille. On est qu'au début de la séance. Gardez ça, essayez de rester avec moi. Soyez pas perdus. On va d'un côté puis de l'autre. Ok? Allez, on va rajouter les bras devant. Face à moi. N'allez pas sur le côté. Pour l'instant, on est devant. Un bras après l'autre. Et les jambes sont toujours en action. On garde le bras bien aligné. Épaules, coudes et poignets. Encore. Très bien, facile, on va faire la même chose sur le côté. On sort le bras jusqu'au bout des ongles. Allez, ça fait que commencer, on est bien là. La même chose, mais fait à l'arrière ici, un bras après l'autre. Ça n'a pas changé pour les jambes, hein. Très bien, on va viser le plafond cette fois-ci. Allez, point du pied sur le sol toujours. Et montez le genou devant, ici. Les mains vont chercher le plafond. Et on monte le genou au niveau du bassin. Talons fesses. Allez, on va chercher le popotin avec le talon. On lève la jambe, hein. C'est ça. Très bien. On va reprendre devant, monter de genoux. Au prochain jumping jack, c'est ça. Restez bien droit, gainez déjà au niveau des abdos et on contracte aussi les fessiers. Sur le prochain, on va faire corde à sauter. On imagine la corde à sauter, pareil, on est toujours droit, bien droit. On se prend pas les pieds dans la corde à sauter, hein, elle n'existe pas. 3, 2, 1. Petit sprint sur place. Allez. On est toujours dans l'échauffement. On est dans l'échauffement cardiovasculaire. On passe sur le cardio, ok? 3, 2, 1. Jumping jack encore. J'espère que ça va à la maison. Montez de genoux, ici. Pardon, avec moi, reprenez, reprenez. Un genou après l'autre.
va faire les montées de genoux. Soit vous restez comme ça, ou soit vous le faites comme ça. Ok? Allez, on engage bien les abdos. Ok, placez les mains au niveau des oreilles. On va aller chercher le genou avec le coude. Là, on est sur la seconde abdominale. On y va, hein. Très bien. Allez, on se prépare. Premier exercice pour ce soir, facile. Pied largeur bassin. Épaules basses, on bombe le torse, on serre les omoplates. Et à mon top départ, on va descendre sur des squats en deux temps avec moi. Ça fait 2, 1, 1, 2, c'est ça. Surtout pas les genoux à l'intérieur, les squats. D'accord? 2, 1, et on y va en single. 8, 7, poids du corps dans les talons. On peut envoyer le bassin vers l'avant quand on est en bas. Allez, cadeau, on continue encore 8. 8. On inspire à la descente, on expire à la montée. En 3 temps. 3, 2, 1, on remonte. 3, 2, 1, c'est ça, très bien encore. Poids du corps dans les talons. Sur le prochain, on passe sur la pointe des pieds. Ok, là soit vous allez garder la pointe des pieds, soit vous allez me rajouter un saut. Et on reste en bas. Allez. Premier exercice d'isométrie. On reste bien statique. 3, 2, 1. C'est reparti pour 8. 8. Et ouais, ça commence déjà à parler là au niveau des cuisses. Les cuisses, elles commencent à nous raconter des histoires. Très bien, récupérez sur un petit bloc. Mettez-vous en place avec moi, pied largeur bassin. Pareil, on replace le dos. On gagne les abdos. Bombe le torse. On va lever la jambe ici. 1, 1, 2, 2, 1. Pointe du pied vers le sol. Hein. Single. 16. C'est ça, vous pouvez fléchir la jambe de sol si besoin. Au niveau des mains, essayez de trouver l'équilibre. Encore 8. Pointe du pied vers le sol. On ne triche pas. Pointe du pied vers le sol. Petit cercle. Allez, on contracte bien les fessiers. Et ici, derrière. Ici, derrière. C'est ça. On reste là. 1, 2, 2, 1, 2, 1. Encore. Genou de la jambe arrière qui vise le sol. 8 fois. 8. Ça prend ici, là. Et que des petits. Petit pulse. Si vous ne pouvez pas faire les fentes comme ça, remettez-vous en posture de squat. On est sur les petits pulses, d'accord?
Et on reste en statique ici. Allez. On grimace. Grimacez tant que vous voulez. Détestez-moi. 3, 2, 1. Et ici. Très bien. On se replace, pieds sous les hanches. On replace bien le dos, bien droit. Omoplate serrée. On va faire la même chose de l'autre côté, hein. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, ici. 2, 1, 1, 2. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to write. Et 16. Toujours la pointe du pied derrière le sol. Ok. Et la jambe elle reste dans l'axe du corps, hein. On va pas la chercher ni devant ni derrière. On reste dans l'axe. Vous avez fait largement plus de la moitié. Petit cercle. Contractez les fessiers. Allez, on essaie de fléchir un peu sur la jambe de terre, hein. On va chercher là, là, là. C'est ça. On prend le mouvement pour l'instant. C'est ça, on descend un peu, on fléchit un peu sur la jambe de terre. Et 1, 2, 1, 2, c'est ça. Single, 8, 7, allez, on inspire à la descente, on expire à la montée. Pensez à respirer. Genoux de la jambe arrière qui vise le sol. Et petit pulse. Comme tout à l'heure. Ceux qui ne peuvent pas faire les pentes, restez sur un mouvement de squat. D'accord. Ici. Encore. Et on reste statique en bas. Allez là on est beau. On sourit. On sourit, on aime ça. C'est dur mais on veut le popotin, on veut les cuisses. Élévation encore. On évite de reposer le pied sur le sol. Et très bien. Ça fait que commencer, hein. Ok. Prochain exercice. Je l'ai mis hier dans le cours de HIIT. Pour ceux qui l'ont fait, on va le refaire ce soir. Ça va être un squat, pas chassé. Deux squats, pas chassé. Trois squats et ainsi de suite. Préparez-vous. Pied largeur bassin. Avec moi. 3, 2, 1. On y va pour le premier. Une, pas chassé. Une, deux. C'est ça, 4. Je sais plus où j'en suis. Encore 6, 6, 5, et 7. Encore 8. Je sais plus où j'en suis. 9, 8, 5. J'ai plus compté. Et 10. Très bien. Récupérez. J'ai appris à compter entre temps jusqu'à 8, jusqu'à 10. On va le refaire, hein. Allez, préparez-vous. Pied largeur bassin. On replace toujours le dos. 3. 2, 1, on y va. Et 1, 1, 2, 3, 2, 1.
1, 2, 3, 4, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gardez le dos bien droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. Encore. Dernière. 1, 2. Waouh. Ça picote, hein. Allez, restez debout. Un petit round pour récupérer. On reste encore un peu sur les cuisses, d'accord? On va faire un exercice qu'on a fait tout à l'heure. L'élévation. On va combiner avec des squats. Avec moi, ça fait 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. On monte, élévation, descendez, encore. Toujours pointe du pied vers le bas. Encore, on y va. Il y en a qui m'envoient des petits smileys. Comment vous faites pour faire les exos? Ils m'envoient des smileys, je ne comprends pas. Vous êtes magnifiques. Encore. Allez, on descend bien sur le squat. Et on reste ici, jambes serrées, fessiers vers l'arrière et vers le bas, le dos toujours droit. Allez, gardez le dos droit, épaules basses. 3, 2, 1, revenez. On va faire un dernier mouvement, d'accord? Dernier mouvement debout. On l'a fait la semaine dernière dans le cours de CAF. Je vous le remonte. Ici, on va sauter devant, revenir en arrière. Sautez comme vous pouvez avec vos capacités. Donnez-vous à fond. Préparez-vous. 3, 2, 1. Et c'est parti. On saute devant, on revient. C'est ça. Encore. C'est pour ça que vous êtes connecté avec moi. Encore 5 secondes. Même pas. Et top. Très bien. Respirez. On va le faire une dernière fois. D'accord? Dans 5 secondes, on est reparti. Préparez-vous. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, on est parti. On fléchit bien. Encore. Vous avez fait la moitié. Encore 5 secondes. À partir de maintenant. Et top. Restez debout. Pied largeur bassin. On étire le quadriceps ici devant. Et deux genoux collés. Talons dans le sol. Baissez vers l'arrière. Talons dans le sol, hein. On revient. Avec moi. J'espère que ça va. On va enchaîner un peu plus sur les fessiers après ça. Talons dans le sol. J'espère
surtout que je suis pas le seul à transpirer, hein. Et on revient, très bien. Mettez-vous sur le sol. On est sur le dos. Les largeurs bassins. Les mains le long du corps. Et on décolle le bassin. Genoux, bassin, épaules alignées. Faites-moi un bel alignement. Genoux, bassin, épaules. Et on serre les fessiers. D'accord ? Serrez bien les fessiers. On va descendre en deux temps. Avec moi, ça fait deux. Un, on monte. Un, deux. Encore. On touche pas le sol quand on descend. Contractez-moi ces fessiers. 16. 15. Encore, continuez. Donc ce mouvement qui s'appelle le lever de bassin, c'est le mouvement qui travaille quasiment le mieux le grand fessier. Le grand fessier, c'est lui qui vous donne la forme arrondie des fesses, d'accord? Je vous ai pas oublié, on n'a pas fini. Petit pulse en haut. Pensez à l'alignement. Et on reste en haut. Les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. 3, 2, 1. Et simplement, on va ouvrir sur le côté. On vient et on ferme. Posez pas le genou sur le sol. Gardez le dos bien droit. Encore. On va commencer déjà à sentir un peu sur le fessier, hein. Jambes tendues derrière, en haut, en bas. Jambes tendues, pied flex, pas de tension sur le pied. Encore. Vite le tempo de la musique, hein. Hey. On vise le plafond avec le plat du pied. Ici, coup de pied. Ça se passe qu'au niveau du genou. Très bien, retournez sur le dos. On décolle le bassin. Gardez la posture bien alignée comme tout à l'heure. Maintenant, vous allez pouvoir soit rester les deux pieds sur le sol ou lever une jambe, d'accord? C'est vous qui choisissez. Vous pouvez très bien prendre le pied gauche ou le pied droit. On va descendre comme tout à l'heure en deux temps pour commencer. 2, 1. C'est parti pour 16. Allez, on serre bien les fessiers. On vous dresse en statique. Passons au quadrupédie. On va changer de jambe cette fois-ci, hein. Vous allez travailler l'autre côté. Les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. 3, 2, 1, c'est parti. Ouvert vers
J'ai entendu en haut, en bas. On évite de faire que le pied touche le sol. On imagine bien le fessier qui se forme. Ici, coup de pied. Ça se passe au niveau du genou, hein. Très bien. Remettez-vous sur le dos. Une dernière fois, hein. Les largeurs bassin. 2, 1. C'est parti pour 8 directement. 8. Contractez-moi ces fessiers. Si vous voulez lever le jambe, vous pouvez. Petit pulse. Ceux qui veulent, rapprochez les talons, les pieds des fessiers. Et on est sur l'avant des pieds. Ça, c'est l'option pour travailler un peu plus. Et on reste en haut. Encore une fois, 8, 8, 7, pardon, 6, j'ai pas besoin de compter, je vais en faire avec la musique, on a bientôt fini, et très bien, restez au sol, on ramène les deux genoux à la poitrine, on va garder un genou avec nous et tendre l'autre jambe. Mettez une pression sur le genou. Pareil, on va prendre une bonne inspiration. Sur l'expiration, on rapproche la jambe. La jambe que vous avez levée, je vais la poser de l'autre côté. Les bras alignés, épaules, coudes poignées et la tête à l'opposé de la jambe. Essayez de poser le genou sur le sol. Là, ça nous prend là. Et on revient doucement. On va faire l'inverse. Genou poitrine. Jambe tendue, on ramène la jambe. Pas forcément tendue la jambe, hein. D'attraper genoux, cuisses, chevilles en fonction de votre souplesse, d'accord? Et on ramène ici sur le sol. Et la tête de l'autre côté. Avec les bras alignés. Ça tire un peu sur le fessier, un peu sur le bas du dos peut-être pour certains également. On prend une bonne inspiration. Sur l'expiration, on revient face au plafond. Allez, on ramène les deux genoux. Regarde l'heure qu'il est, excusez-moi. C'est génial. Il nous reste encore 10 bonnes minutes pour les abdos. Allez, on reste au sol. Face au sol. Celui-ci, vous ne l'aimez pas trop, mais moi, je l'adore. Mains sous les épaules. Mountain climber. Jambes tendues au genou. Et c'est parti maintenant. Option numéro 3, 1, 2, 3, on bloque, 1, 2, 3, si vous pouvez pas, ici, ou à votre rythme là, à
On se place. Avant-bras. Coude sous les épaules. On est parti pour le gainage. Plaquez-moi ce nombril sur la colonne vertébrale, on le plaque. Allez. Mettez-vous sur le côté, passe sur le côté, on va bosser les obliques. Soit sur le genou, soit deux appuis, un pied devant l'autre, soit un appui, dernière option, on va les chercher au milieu. D'accord? 3, 2, ok, avant qu'on commence, écoutez bien l'exercice qui va suivre. On va faire oblique. À mon top départ, vous allez repasser sur le frontal, donc face au sol. Et quand je vais vous redonner un top, vous allez faire l'oblique de l'autre côté. D'accord? Première position, oblique d'un côté. Deuxième position, frontale. Troisième position, oblique de l'autre côté. Restez concentrés, on y va, c'est parti. Mettez-vous en position sur les séries d'option. 3, 2, 1, et c'est parti. Ça, c'est l'option 4. D'accord? Si vous faites les autres options, levez-moi ce bassin. On ne doit pas être comme ça. On est ici. Encore 10 secondes. Plaquez le nombril. On passe de face. Préparez-vous, on va passer de l'autre côté. On passe de l'autre côté. Encore une fois, levez-moi ce bassin. Comment vous vous sentez? Est-ce que ça va? Envoyez-moi des petits plus, des petits cœurs pour me dire comment ça se passe à la maison. C'est pas fini, hein? Récupérez. Il nous reste encore 5 minutes d'exercice, ok? Remettez-vous sur le sol. On va placer une cheville sur le genou,
avec l'épaule ou le coude, on va aller chercher le genou opposé. D'accord? On repasse sur le travail des obliques. Main sur les tempes pour les oreilles. 3, 2, 1, et c'est parti. 8, 7, à mon rythme, pas plus vite. En deux temps, 2, 1, 1, 2. Restez au sol, on en a fini pour ce soir. Restez au sol, on va s'étirer tranquillement. J'espère que ça va. Vous voyez, hein, je le fais avec vous. Hein. On le fait ensemble. On transpire ensemble et on souffre ensemble quand il faut souffrir. Allez, on va s'étirer tranquillement. Restez au sol. Mettez-vous sur le dos, s'il vous plaît. Mettez-vous sur le dos. Bras et jambes tendus. Les bras derrière la tête, les jambes tendues devant. Allez, restez au sol. Respirez lentement, concentrez-vous sur votre respiration. Pensez à rien d'autre qu'à votre souffle. On inspire, on expire, on évacue l'air. Respirez lentement. Vous aurez tout le temps de m'envoyer des smileys après. Allez, on reste ensemble jusqu'au bout, on reste concentré, allez. Concentrez-vous. J'espère bien que vous êtes toujours en vie. Concentrez-vous sur votre respiration. Ce que je vais vous demander de faire, ça va être de vous grandir au sol. On va prendre une bonne inspiration. Et sur l'expiration, on va pousser les jambes et les bras à l'opposé. D'accord ? On prend un peu sur les épaules.
On prend une bonne inspiration. On expire lentement et on relâche la tension, d'accord? On va le faire encore une fois. Vous êtes toujours allongé sur le dos. On prend une bonne inspiration. Et sur l'expiration, on se grandit au sol. Les bras et les jambes à l'opposé, grandissez-vous. On se grandit. Encore, on prend une bonne inspiration. Et sur l'expiration, on relâche. Mettez les bras le long du corps. Les bras le long du corps. Ok, on va faire un exercice qu'on fait dans le quick abdo avec moi. Pareil, toujours sur la respiration. Restez allongé. Détendu, le bras le long du corps. On va prendre une bonne inspiration. Regardez. On gonfle le ventre. On expire. Et comme si on rentrait dans un bassin d'eau froide, on rentre, on plaque le nombril au maximum. On plaque. Là, ici, on s'attaque au muscle profond, un muscle en particulier, le muscle du transverse. Là, on rentre. Comme si on rentrait dans une douche très froide. Et on revient normal. On va le refaire encore, inspirez bien. Et on rentre. Allez, on plaque le nombril. Vous voyez, comme les bodybuilders, là, ils ont une pause, on les voit, ils ont le ventre complètement rentré. On a l'impression que leurs omoplates, pas que leurs omoplates, mais leurs côtes vont ressortir. D'accord? Nous, c'est notre cas. L'image que je vous donne, c'est une image très claire que tout le monde a sûrement déjà vécue. On rentre dans un bain froid ou une douche qui est froide. On ne s'y attendait pas et tout d'un coup, hop, on plaque tout, on plaque le nombril. Respirez quand même, hein. Vous pouvez respirer. Et on revient. Une dernière fois pour bien muscler transverse. Allez, on inspire, on expire. Et on revient. Donc on a déjà étiré tout à l'heure debout. On a fait les quadriceps et les ischio-jambiers. On a fait les fessiers tout à l'heure entre deux. On va ramener nos deux jambes. On ramène les genoux à la poitrine. On fait des petits cercles sur le sol. Ça, je le fais à chaque fois pour masser les lombaires. Ça fait du bien dans un sens. Et dans l'autre, quand on a des soucis au bas du dos, des petites douleurs ou des grosses douleurs aussi, on se balance d'avant en arrière pour se retrouver assis. On va prendre appui sur le sol, vous relevez pas trop vite, prenez appui sur le sol, une jambe après l'autre, vertèbre après vertèbre. On finit par la tête doucement. Très bien. Merci pour ce soir tout le monde. J'espère que ça a été. Faites-moi des petits retours, c'est toujours important. J'espère que vous avez bien senti le cours et que ça va vous faire du bien. D'accord? Pour ceux qui aiment la danse et la zumba, je vous retrouve d'abord pour le cours de hip-hop et les styles. On va continuer la choré sur Chris Brown dimanche et ensuite. Le petit cours de Zumba, donc le cours hip-hop, il sera que de 45 minutes, comme ça, ça laisse un quart d'heure pour un petit break, que je déconnecte, que je me reconnecte pour enchaîner sur la Zumba, d'accord? Merci à toutes, il y a principalement des femmes qui font ce genre de cours, merci à toutes et prenez soin de vous, passez une bonne soirée, merci, à bientôt, ciao.